Nickel. Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien mangé. Alors, bon à savoir, la crêperie accepte pas trop de monde, elle met un peu de temps à servir, donc désolé pour le retard. Donc, je suis ravi d'être ici aujourd'hui dans cette belle ville de Pau avec un temps qui est moins froid que ce que j'avais annoncé hier soir. Donc, je suis désolé pour le tweet pour les organisateurs. Donc, je m'appelle Boris Feld, vous pouvez me trouver sous le pseudo Lotir Aldan un peu partout sur le web. Et je bosse chez Tiny Clues et on est sponsor cette année. Donc je ne vais pas vous parler plus de ça, Tiny Clues, maintenant, j'aurai l'occasion après. Donc je vais vous parler de quoi aujourd'hui? Je vais vous parler d'un projet sur lequel je travaille depuis un moment, qui s'appelle Zero Slices, qui est un framework microservice. Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai une autre conf après. Mais les besoins que j'avais, c'est de faire de la communication entre pairs, faire de la découverte entre pairs sur le réseau, et avoir des notifications real-time qui sont forwardées par WebSocket. Donc c'est ce projet-là que j'ai migré d'une base de code en Python 2.7 vers une base de code en Python 3.4 en async.io, et c'est de sur quoi je vais vous parler aujourd'hui. Donc petit rappel avant qu'on commence, qu'est-ce que l'asynchrone? Qu'est-ce que l'asynchrone dans le contexte du développement web? On dit tout d'abord qu'un process est synchrone quand au moment où il va faire de l'I/O, il ne va pas être capable de faire autre chose. Il va faire un appel DB, il va faire un appel réseau, un appel sur le fichier, et il va être bloqué en attendant la réponse. Donc ça, c'est ce qu'on a tous les jours quand on fait du WSGI, quand on fait du Django sans gevent, j'essaierai de ne pas trop les gevent, alors qu'un processus asynchrone, quand il va faire un appel HTTP, il va être capable de traiter des requêtes. Donc c'est ça la principale différence. Donc la V0 de Zero Slices, il faut savoir que c'était un bout de code que j'ai extrait d'un autre projet, et que je me suis dit que c'était intéressant de l'avoir comme framework générique open source. Donc tout d'abord, cette V0, il n'y avait pas de test. Alors, moi je suis un aficionado des tests, j'aime bien le TDD, mais là je me suis dit, j'ai besoin de valider que c'est possible de fournir un framework microservice générique pour la communauté. Et du coup, je me suis dit, bah, les tests, je m'en fous, parce que c'est vraiment un proof of concept. Je dois valider rapidement que c'est viable. Donc, je n'ai pas fait de test. Tout simplement. Donc, cette V0, j'étais parti sur de la communication en 0MQ. Donc, du coup, j'ai pris le framework Tornado parce qu'il proposait une intégration entre PyZMQ, la lib pour faire des RMQ, et Tornado. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Tornado, c'est pas WSGI. WSGI, c'est le protocole qu'on utilise tous les jours quand on fait du Django, du Flask. C'est un protocole principalement request-response, mais ça marche pas très bien avec les WebSockets quand il faut envoyer du contenu, non pas en réponse à un client, mais parce que c'est le serveur qui l'a généré. Donc c'est pour ça que si vous voulez faire des WebSockets avec du WSGI, ah, vous allez démarrer un autre serveur qui est soit en Go, soit en Node.js, soit en Tornado, pour ceux qui veulent rester en Python, et vous allez devoir communiquer entre ces deux process avec du Redis, du Rabbit, voilà. Alors que c'est possible en Python. Donc un exemple d'asynchrone en Tornado, parce que je vais y revenir plus tard. Donc c'est un request handler, donc ça répond juste à une URL. Sur le get, il va appeler donc la méthode fetch, qui elle aussi donc est décorée comme une coroutine. Ça veut dire en gros qu'elle est asynchrone. Dans le fetch, on fait un appel HTTP, qui lui est asynchrone, on le voit bien via le yield. Quand on veut retourner quelque chose en Python 2 et en Tornado, bah, on ne peut pas faire de return dans un générateur. Du coup, on est obligé de raiser une exception un peu bâtarde. Donc on fait un raise return. Et après, dans notre get, bah, on a notre résultat et on peut le réécrire. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on est obligé de décorer à la fois le get et à la fois le fetch pour faire que ça marche en asynchrone. C'est un petit peu. C'est pas très propre. Un petit tips rapide, si vous faites du 0MQ et pas ZNMQ, les ZNMQ stream, ça, c'est votre ami, parce que ça vous va permettre de dire sur cette socket, je peux mettre un callback quand il reçoit un message, et vous allez pouvoir structurer votre code de manière plus clean. Donc, le résultat de la V0, c'est ça marche, j'ai du code,
chez Debug, mais c'est normal, c'est un proof of concept. Ça valide le design et certaines parties étaient asynchrones, par exemple l'interface HTTP qui est asynchrone. Donc, je me suis dit, cool, mais est-ce que je laisse comme ça? Bah non, c'est un proof of concept, c'est Python 2, Python 3 c'est le futur. Essayons Python 3 et essayons aussi de passer à async.io. Donc, la réécriture, la V1, mais la V1 en Python 3. Alors, pendant longtemps, j'ai lu dans la littérature, ah, la migration Python 3, c'est difficile, c'est chiant, il y a plein d'imports qui ont changé, tout. Je vais peut-être être boring, mais j'ai pas eu de grosses difficultés. Tout au suite, il est passé et ça allait mieux après. Les dépendances étaient déjà migrées. Et vu que je droppais le support à Python 2, j'ai pas eu besoin de Six. Alors il y a quand même un truc, vous vous demandez peut-être, c'est, attends, tu fais du réseau, tu passes à Python 3, quand même les strings, les bytes, c'est pas pareil. Pour être honnête, effectivement, c'est un peu chiant. Mais après, vous allez l'aimer. Pourquoi ? Parce que quand vous faites du Python 2, dans votre application, vous avez des mix entre des strings et de l'unicode, et vous faites un décode, un code, quand vous voyez une erreur, unicode, un code erreur, ou un unicode, décode erreur dans votre sentry, en espérant que ça passe et que ça ne répète pas. Donc c'est le gros bordel, faut le dire. Alors qu'en Python 3, la séparation, en fait, elle a du sens. Parce que tout ce que vous gérez dans votre application, c'est string, unicode. Vous les combinez, vous faites du format, whatever, c'est des strings. Tout ce qui sort et qui vient de l'environnement, c'est des bytes. Vous faites un appel HTTP, vous envoyez des bytes, vous récupérez une requête HTTP, vous récupérez des bytes. Donc ça vous permet aussi, du coup vous allez avoir dans votre code une certaine partie qui va faire des encodes et des décodes, et ça, du coup ça les identifie clairement comme des péages vers l'extérieur, et du coup on peut les isoler. Comme ça, dans votre application, c'est que des strings, ça ne se pose pas de questions. Donc la V1. Alors la V1 était toujours synchrone, malheureusement. Pourquoi ? Parce que j'étais pas tout à fait satisfait du design que j'avais, et que c'est quand même, on a quand même plus l'habitude de réfléchir avec un design synchrone, c'est plus facile de faire du refactoring, et j'ai pu faire les petits tunings que j'avais besoin, et surtout j'ai pu rajouter des tests. Donc j'ai fait du TDD cette fois, puisque j'ai parti d'une page blanche, j'ai créé un test, donc j'avais déjà clairement identifié quelles sont mes briques, j'ai créé un test pour une première brique, le test échoue, je copie le code de la V0 qui est propre, je le nettoie un peu quand même, le test passe et je fais du refactoring. Donc même si j'ai pas réécrit, même si j'ai pas réécrit tout le code, que j'ai pas retapé tout le code sur le clavier, c'est quand même du TDD parce que le design que j'avais dans ma tête, j'ai pu valider avec le TDD que effectivement, bah, ça se plug bien, ça fonctionne bien ensemble, les API sont utilisables. Et donc voilà, on peut faire du TDD sans écrire tout le code à la main. Un autre choix que j'ai fait, et qui m'a facilité la vie après, c'est l'injection de dépendance. Donc comme je vous ai dit dans le string et les bytes, tout ce qui fait de l'encode et du décode entre les strings et les bytes, je les ai isolés dans des classes. Donc, il y en a plusieurs, il y a le communication medium pour communiquer entre les paires, il y a le discovery medium pour se découvrir, il y en a aussi qui fait les appels DB. Donc je me suis dit, je vais considérer toutes ces classes comme des plugins. Donc, moi, je vais fournir une implémentation, mais la communauté pourra fournir d'autres implémentations. Et j'ai même poussé cette réflexion plus loin dans mes tests, où j'ai dit, alors, je suis désolé, ça ne va pas être forcément super lisible, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Donc j'ai fait un test case dans le setup. Je récupère un medium, donc là c'est un test case pour le communication medium, où donc, je fais un medium 1 égale self.getMedium, self.medium 2 égale self.getMedium, mais je ne définis pas la méthode getMedium. Pourquoi ? Parce que c'est un test d'interface, et le getMedium va me renvoyer une implémentation, et je m'en fous, parce que le test d'interface ne doit mettre aucune supposition sur l'implémentation. Donc après, je rajoute un test. Donc le test, ce qu'il fait, c'est juste, le medium 1 envoie un message au medium 2,
médium 2 renvoie une réponse et je vérifie bien que mon retour de médium 1.send, c'est la réponse que j'attends. Donc là, en l'état, ce test case, bah, si vous le lancez avec unit test, bah, il est un peu bête, il va le lancer, il va dire ah, « je connais pas getMedium », et si vous le lancez avec nose, comme il commence par un underscore, il n'est pas lancé. Donc, en l'état, on n'a pas de test. Après, j'ai rajouté deux test cases. Un test case pour mon implémentation in-memory. Donc là, ce que ça fait un medium égale memory medium, et un test case pour medium égale 0MQ medium. Et donc, vu que j'hérite de ce test case de base, ce que ça va faire, c'est que pour chacune des implémentations, ça va lancer tous les tests que j'ai définis au niveau de mon interface. Donc si j'ai besoin de rajouter un nouveau test pour un edge case ou de rajouter une nouvelle fonctionnalité, je le rajoute dans mon interface et toutes mes implémentations doivent répondre au contrat. Alors, à quoi ça sert de faire ça? En fait, si je sais que mon communication medium in-memory il répond de la même manière dans toutes les situations que mon médium de communication 0MQ, bah, quand on fait des tests, on sait que c'est bien tout ce qui fait de l'IO qui est chiant parce que ça prend du temps. Là, j'ai juste besoin d'avoir 15% de mes tests qui fait les appels 0MQ, tout le reste, ça peut utiliser le memory medium, donc c'est plus simple à écrire, c'est plus rapide à lancer, et vu qu'on fait de la réécriture, qui a gros refactoring, on lance très souvent les tests, au final, j'ai peut-être gagné une heure sur tous les lancements de tests, sachant que là, je suis à moins de 30 secondes de temps de test total. Donc, qu'est-ce qui est mieux avec cette V1? Déjà, j'ai un design plus clair, j'ai des classes vraiment spécifiques pour chacune responsabilité. Je suis en Python 3, cool, il y a plein de trucs modernes, et j'ai des tests. Qu'est-ce qui manque? Ah, c'est toujours synchrone. Du coup, passons le monde asynchrone. Donc async.io. Donc async.io, c'est récent, c'est arrivé dans Python 3 ou 3.4. C'est une bonne question, je ne sais plus, mais dans ces eaux-là. Le gros intérêt pour moi d'async.io, outre que le fait que ce soit du Python 3, mais on peut utiliser Trolius en Python 2, c'est que par rapport à du Tornado, Tornado async.io, ça offre les mêmes possibilités, mais le fait que async.io soit dans la librairie standard expose la communauté Python à justement ce paradigme de programmation. Il y a plus de gens qui vont regarder, ah tiens, c'est marrant, async.io, c'est quoi? Il y a plus de gens qui vont écrire la littérature, il y a plus de gens qui vont faire les librairies, et il va y avoir juste plus d'utilisateurs. Ce qui est un gros point, parce que comme le speaker le disait ce matin, si vous voulez faire du Twisted et embaucher des gens qui font du Twisted, voilà, ça va être dur. Donc du coup, j'ai dû migrer certaines librairies, donc PyZMQ, je suis passé en IO ZMQ, et Tornado, j'ai utilisé IO HTTP. Donc c'est des librairies encore assez jeunes. J'ai pas rencontré beaucoup de bugs, mais il y a assez souvent des releases. Par exemple, dans IOZMQ, ils ont rajouté une nouvelle API qui permet de diminuer le nombre de lignes de moitié pour faire les sockets. Donc c'est cool, ça évolue, et ça évolue vite. Donc la migration vers de l'asynchrone, c'est assez simple quand on a le design qui est clair, et quand on a des tests. J'ai de la chance, je les avais faits. Donc Python 3.4, il y a aussi un gros changement, c'est le yield from, qui va apporter plusieurs choses au niveau asynchrone. Donc le yield from, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste syntaxique, où on remplace for i in f, yield i, en yield from f. Comme ça, ça ne casse pas 3.4 à un panard. 3 pattes à un canard, là, j'y ai arrivé. Si on reprend notre exemple, donc au début où je vous ai donné un Tornado, si on le passe en IO HTTP, bah ça va donner ça. Donc on a notre handler, qui est décoré par async.io.coroutine, donc ça ressemble un peu au gen.coroutine en Tornado. Ça yield from fetch, donc qui est la méthode pour récupérer. Donc fetch, là on voit qu'il n'est pas décoré. Lui, il crée une socket vers ifconfig.me. Là, c'est un choix d'API, parce que l'établissement de la socket peut prendre du temps. Ensuite, on fait un return. On peut vraiment faire un return en Python 3, c'est cool ça. Où on lit la réponse, le handler récupère le résultat et l'écrit. Donc là, pour moi, il y a
deux gros changements. On peut faire du return et on n'a pas besoin de décorer toutes les méthodes qu'on appelle. On fait un if from et ça remonte jusqu'au dernier niveau, ça remonte dans l'io loop et ça marche. Pour un petit rappel, c'était Tornado. Là, c'est IO HTTP. C'est quand même plus sympa à lire. Bon, sauf la requête, l'HTTP client. C'est un peu dégueulasse, mais c'est pas grave. Comme je disais, ça évite de mettre le gen.coroutine à tous les niveaux. On met un async.io.coroutine dans ce qui est directement appelé par l'IO loop. Et, alors, j'ai pas eu l'occasion de jouer, mais il y a la nouvelle syntaxe async await qui arrive en Python 3.5. Qui va peut-être changer. Je ne sais pas l'impact, mais ça vous permet de définir explicitement telle méthode, elle est asynchrone. Et donc, quand tu l'appelles, tu es obligé de mettre un await. Alors que là, avec Python 3.4, c'est un générateur. Donc, si vous l'appelez, bah, vous allez récupérer un générateur et elle n'est pas exécutée si vous ne faites pas gaffe. C'est un classique. Donc, les tests. Les tests, c'est votre meilleur ami de toute façon, mais surtout quand on fait de la réécriture. Donc le petit tips pour faire des tests, c'est ce snippet. Je le passerai, vous inquiétez pas besoin de le comprendre en détail. Et ce que ça fait, c'est que ça va vous permettre de faire des yield from dans vos tests, en même temps que s'assurer que la méthode de test répond bien au bout de 2 secondes. Si vous avez déjà fait des tests avec du Tornado, avec du Twisted, vous avez le cas de « Ah, merde, mon test est bloqué. » Bon, bah, voilà, je le relance et j'essaie de débugger. Donc, pour migrer les tests que je vous ai montrés, donc il y a quelques petits changements. On instancie une loop. La récupération de notre médium se fait essentiellement de façon asynchrone. Donc là, on peut dire « Notre loop, bah, t'exécute une coroutine et tu me rends la main quand elle est finie. » On décore avec notre petit décorateur, donc async test, et dedans on peut faire des yield from. Et donc les tests d'implantation, pareil, on décore avec une coroutine. Là, on fait au lieu de faire un medium post start, on fait un yield from medium post start, puisque ça va faire de l'IO, ça va démarrer des sockets, et on return le medium. Donc ça se fait. Un dernier petit tips sur async.io, quand on fait de l'IO ZMQ, ce qui est recommandé par la documentation quand on reçoit un message, c'est de le mettre dans une queue, et de lire la queue de ce côté avec un while true. C'est ce genre de snippet-là. Le problème, c'est que ça, c'est chiant à tester. Comme je vous ai montré, moi j'aime bien faire ce genre de test où je fais un yield from. Quand j'ai rendu la main, mon système est dans le bon état. J'ai pas envie de faire un yield from async.io.sleep pour vérifier que est-ce que mon message est arrivé et après avoir sur la machine Jenkins, oh bah mince, ça est saturé donc ça prend plus de 2 secondes. Voilà. Donc ce genre de code, je le remplace généralement par ça où je dis quand je reçois un message, parce qu'en plus en IO ZMQ dans le message received, on n'est pas dans la loop. Donc je dis bah tu m'appelles le callback, je demande à la loop appelle-moi ce callback bientôt avec mes arguments. Ça pose un problème, c'est s'il y a une exception, faut la catcher à ce niveau-là. Mais c'est plus facile à tester. Un petit peu encore de refactoring sur certaines classes qui faisaient une partie de la synchrone, l'autre qui ne faisait pas. Je les ai splittées, je les ai testées séparément, c'est quand même plus propre. Donc voilà, un dernier point sur l'asynchronisme. C'est que l'asynchronisme, ça va être bon pour votre scalabilité. Bon, si vous n'en avez pas besoin, bah vous n'en avez pas besoin, mais si vous en avez besoin, faites des tests pour tester combien de requêtes simultanées vous traitez, pas les performances brutes. Vous allez avoir un overhead sur chaque performance brute, c'est indéniable, mais si vous avez des temps de réponse de 2 secondes de votre DB, bah, si vous faites 10 appels, ça vous prend 20 secondes. Alors que si vous faites de l'asynchrone, bah ça vous prend peut-être 2 secondes et demie, 3 secondes. Donc c'est sur le nombre de requêtes que l'asynchrone va être intéressant. Donc en conclusion, bah, migration en Python 3.4, ça n'a pas été trop dur pour moi, mais je n'avais pas de grosse application de Django à migrer. La migration en async.io, pas très dure non plus, avec un design qui était déjà clair.
des tests qui étaient déjà écrits. J'avais déjà fait un peu de Tornado. Pareil, si j'avais une application Django Wizgy, ça aurait été un autre problème. Mais j'espère vous avoir donné envie de passer à Python 3.4 et à regarder à Syncio. Et donc voilà, si vous avez des questions. On a une question au deuxième rang. Merci. Pourquoi est-ce qu'il y a un overhead par requête plus important quand tu es en asynchrone qu'en synchrone? Tout simplement parce que tu as ton neo loop. Ton neo loop, ce qu'elle fait, c'est qu'au moment où tu fais un appel IO, tu fais un IL FROM, donc tu as un générateur. Ce générateur, il faut se rappeler son contexte, qu'il a arrêté. Et ça dit à ton neo loop, bah, la socket utilisée pour faire cet appel, tu regardes son file descriptor, et derrière ce que ça fait, neo loop, ça fait juste un poll. C'est-à-dire que toutes les 0 à milliseconde, ça va regarder quelles sont les sockets sur lesquels je peux lire. Et donc, c'est tout ce travail-là. Il n'est pas forcément très, comment dire, très, très, très lourd. Mais il y a un overhead. Alors, merci beaucoup pour ta conf. Je voulais juste me faire un peu de pub parce que tu as montré ton petit wrapper pour tes Ouais. tests unitaires. Et j'ai codé une lib qui s'appelle AsyncTest, qui fait grosso modo ça et qui remplace directement unit test. Donc à la place de unit test, tu mets async test. Et D'accord. dès que c'est une coroutine, ça gère le truc et il y a plein de des petites niceties en plus. Donc je t'invite à regarder, c'est sur GitHub et sur PyPy. Bah, n'hésite pas à le tweeter, on regardera, je regarderai Et comment l'utiliser. ça roule. Et un deuxième truc, c'est que tu disais que le décorateur async.io.coroutine n'était pas nécessaire. C'est vrai qu'il ne l'est Ouais. pas, mais par contre, si jamais vous publiez votre code en open source en Python 3.4, mettez-le parce que sinon, ça ne permettra pas d'appeler vos coroutines, générateurs coroutines, avec await de Python 3.5. Le wrapper se charge de faire une conversion à ce niveau-là. Donc, du coup, D'accord. pensez à le mettre quand même. Moi, au final, ce que j'ai pas dit, je l'ai mis quand même, parce que quand on veut tester juste la méthode fetch, du coup, il faut quand même qu'il soit décoré à un endroit. Donc, entre le décorer dans le code et le décorer dans tous les tests qui appellent fetch, au final, je le fais. Mais normalement, j'avais regardé, il n'y a pas tant d'overhead à le décorer. Ouais. Effectivement. Je pense qu'on est bon.